Yo les gars, les stages intensifs sont enfin disponibles sur mon site internet. Donc vous avez le stage top lane avec moi et le stage mid lane avec Hero. On va aborder les fondamentaux du jeu et vous avez le planning qui va s'afficher juste à côté. Donc si vous êtes intéressé par ces stages du 10 et 11 juin, rendez-vous sur mon site internet. Ok, on joue Jayce d'Ancien. On est parti sur des runes un peu différentes. Ok, faire attention aux buissons. Waouh, je suis un peu raté. Rien de spécial, on farm. Je glisse autant d'auto-attaque que je peux. On teste beaucoup le push. Nerly, il perd un peu. Normalement, j'ai pas vraiment de quoi le menacer. Mais il a déjà plus de potions. Il commence à être assez low. Après quand même pas mal de poke. Il peut plus vraiment lane. Essaye toujours de bait son Q-spell quand on woke up. Et bien que essaye régulièrement de bait son Q-spell. Je fais attention à la Vi qui peut être en lane gank ici. Ou juste à côté. Je vais récupérer un autre cookie dans 2 secondes. Je pense qu'on va se recall après cette wave. C'est juste un bon timing recall en fait. Je vais même pas m'attarder à rester pour le first strike. J'ai 1000 gold. J'ai 2 épées longues plus une tir. On scale tranquillement, on a déjà 40 gold dans la banque, c'est pas mal. On va TP ici, j'attends juste assez pour une autre épée longue, à savoir que quand vous utilisez votre téléportation, vous pouvez attendre jusqu'à à peu près 7 gold. Hop là, on est gold. Là je peux me permettre de transformer melee pour avoir le ratio de 100% de gold. J'ai toujours pas eu la vaille. Je pourrais glisser une petite ward là, mais c'est un peu late. Fallait le faire avant. Là, elle peut déjà être là. Ok, va y aller mid. J'ai un peu paniqué avec ma gate. Eh, bon spacing, trade correct. J'ai récupéré mon E. Mec, j'ai toujours mes cooldowns. Bye bot side. Mais je peux jouer un peu comme je veux. Ah. Comme le Rex est en train de s'embrouiller. Elle peut bientôt être top la vaille. Faut garder ça à l'esprit. Oh, c'était un peu greedy ça. Il a pas de TP. Je vais aller chercher les fruits. Bon, je vais push une wave de plus et je vais back.
Et je vais rester, j'ai 3 de mes teammates topside, c'est un bon back timer, mais je vais utiliser le fait que j'ai mes équipiers. Bon, même s'ils sont en train de troller et qu'ils devraient pas être top, qu'ils devraient lane. Tu vois, notamment j'ai mon support. Ça peut nous donner un kill sur lui. Si les autres se bougent. Hop là, la petite gate pour s'escape. Nickel. Bon, j'essaye de tirer un peu profit du fait que mes teammates sont en train de troll. Encore totalement loose cette game. Obviously, il y a de grandes chances qu'on la loose vu l'état de la game actuellement, mais... Écoute. On peut quand même essayer. Une fois, faut qu'on bait son Q. Bon, il y a Ray qui bouge, j'ai eu le temps de tuer. Bon là c'était juste des mouvements, hein. Faut être bon mécaniquement bien entendu. C'est du petit... Ah mais ouais, c'est compliqué. Leur botlane est super fed, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux TP là et avoir leur shutdown, ça pourrait être très intéressant. C'est Mazeri qui double kill, bon. Ça, c'est des kills qui auraient pu être clutch sur ma possession, mais bon. C'est mieux que rien. Faire attention ici, ils peuvent être au niveau du dragon. Ils peuvent décaler bot avec Larry. S'il n'y a pas Larry, je pense que j'ai essayé de prendre des plays. Je pense pas que Vibe peut me 1v1 comme ça. Il y a Harry qui est en train de bouger. J'ai pas beaucoup de temps. Eclipse. Ah, Zilea n'est pas venu m'aider, Zilea n'est parti. Ah, si Zilea était venu rester m'aider. Ah, whatever man, whatever man. Dommage, j'avais pas mon shield d'Eclipse, je l'avais utilisé en forme distance. Contre la voix, il est pas en forme mêlée. Du coup, le cooldown était beaucoup plus élevé. Beaucoup d'items, mais je sais pas comment je peux la carry cette game. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aime faut plus d'objets. Au niveau de la faille, ok. Ça va être 2 plates seulement. Faut que je fasse attention, ils peuvent commit sur moi. Contre Vaiari et Vaiari Superfail, c'est Ultimate de Vai, je suis mort. Même sous ma tour. Très bizarre ce lane assignment. Vaille mid. Bon, si je la tourne mid maintenant. Harry peut être derrière. Et j'avais aucun moyen de savoir qui bluffait ce type.
Il a décidé de rundown la game pour aucune raison. I mean, si c'est le cas, tant mieux pour nous. Ok, c'est flash chez des summoners. Catch la wave bot et je vais base. Hop, 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 hop. Ah mais il a rien. J'ai 100 gold et on a tué leur bot lane. Super, ça c'est huge pour la game winnable. Gros showdown que je viens de récupérer en plus de cela. À la limite j'hésite à taper Armor Pain en deux là. Faut pas abuser. Bon, Armor Pain en deux serait bien contre la vaille et le sion, mais faut pas abuser le reste. Non. Vaut mieux que j'achète ça. Et ça en fait. Juste plus de dégâts comme ça. Il a combien d'armure? 67, ouais non. Plus de dégâts comme ça. D'ailleurs, il me faut au plus vite, il me faut anti-shield. Et Armor Pain. J'ai envie de me battre moi. On devrait se battre. Je pense que Larry est parti mid. Donc là on peut se... Ah oui, Rundown, ils ont FF. Quel game étrange. What? Mais qui est AFK? Mais personne est AFK. What? Qu'est-ce qui s'est passé les gars? C'est la game la plus étrange que j'ai jamais joué de toute ma vie. Littéralement, la game la plus étrange que j'ai jamais joué de toute ma vie. La game est gagnée. Pour eux. What the fuck, bro? Nah, bro. Je suis encore sous le choc. MaxiSport est un site de e-commerce où vous pouvez retrouver plein de produits différents, que ce soit des claviers, des souris, des casques ou même encore du merch e-sport. Ici, par exemple, on peut voir qu'on a accès à différentes équipes françaises comme Vitality, Solari ou encore GameWorld ou des équipes en inter comme Astralis ou Cloud9. Vous pouvez directement acheter du merch. On a aussi des périphériques, donc des casques, des claviers, des écrans. On a directement aussi les bureaux, les chaises et encore d'autres produits comme par exemple des produits pour stream comme par exemple l'éclairage et les différents micros de chez Elgato. Il y a vraiment beaucoup de choix. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet. Vous avez le lien dans la description ainsi que 5% avec mon code promotion Gaëtan.